tardé à démarrer, donc pardon. Vous dire également qu'on est très heureux et toute l'équipe du Théâtre de la Ville se joint à moi pour cette nouvelle alliance avec les Trois Baudets, avec toi Mathias, avec tes équipes, avec des choix musicaux qui sont faits par vous, en alliance avec nous. Et de se dire aussi que le Théâtre de la Ville, c'est une maison qui est une maison, comme vous le savez, de danse, de théâtre, de musique. Et que pour moi, c'est très important, surtout dans cette période où on a dit que cette saison devait s'appeler Théâtre solidaire, qu'il fallait justement trouver toutes les manières de l'être. Donc je me permets d'ailleurs de vous dire que nous faisons un grand concert pour le Liban d'ici une dizaine de jours. On a changé les programmes. Vous direz également que les acteurs qui sont dans la grande salle en ce moment, eux-mêmes font des consultations poétiques gratuites pour des tas de gens depuis le confinement. Ils ont parlé avec plus de 8000 personnes. Vous dire aussi que pour nous, il n'y a pas de grandes et de petites maisons, qu'il n'y a pas la grande institution, les compagnies, les intermittents, que s'il y a institution, elle est là pour soutenir surtout les plus fragiles d'abord. Et dans un temps si particulier où 4 milliards de personnes ont été confinées, où l'avenir est plus qu'incertain pour nous tous, et pas que ici en France, que j'ai évidemment une pensée pour tous ces pays qui reconfinent, pour toutes ces villes aujourd'hui qui sont en grave difficulté, et on ne sait pas très bien où on va. En tout cas, on sait qu'on a besoin des artistes et qu'on a besoin aussi de la poésie. Et que c'est le lieu de la création, le lieu du théâtre qui doit être plus vivant que jamais, prendre des risques, je dirais, qui sont des risques certainement moins graves que les risques sanitaires, que les risques médicaux. Mais on a besoin aussi de la poésie et de l'âme de chacune et de chacun pour que vibre réellement la relation à l'autre. Et quand on dit prendre soin de l'autre, eh bien, nous allons tenter de prendre soin ensemble de quelque chose, avec vous, et puis évidemment avec les artistes auxquels vous pensez et qu'on est heureux aussi d'accueillir. Et merci au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville d'être là ce soir. Et merci à vous, chers publics, de venir ce soir ici découvrir cette salle qu'on a aménagée il y a peu de temps. On devait être dehors, dans le jardin, etc. La pluie, le virus, le truc, vous savez, c'est toujours incertain. En tout cas, il y a un abri, comme on dit, qui fait qu'on peut prendre soin de nous et continuer à jouer. Merci à vous. En fait, là, vous êtes en train d'assister à une expérience de résistance poétique, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, arriver à être là et voir des micros, des musiciens qui jouent, c'est un petit peu magique. Donc moi, je suis très, très heureux qu'on puisse collaborer. Théâtre de la Ville, Trois Baudets, c'est un petit peu magique, c'est un petit pont magique entre la musique, la danse, le théâtre, la poésie. C'est la première fois qu'on le fait, donc c'est comme un petit collector. Et c'est un petit peu une poupée russe aussi, parce que dans ce collector, vous allez avoir d'autres collectors. Parce que vous avez des chercheurs scientifico-poétiques sur le côté, là, qui vont graver toutes les chansons du concert, une par une, sur des vinyles à un exemplaire. Et à la fin du concert, il y aura une tombola, et peut-être qu'avec vos petits numéros, vous repartirez avec un vinyle à un exemplaire. Donc, ils s'appellent Dylan de Bling, Dylan de Blanc, et je pense qu'ils méritent leur petite ovation. Et puis, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, on s'est rencontrés quand même il y a très, très peu de temps, c'est qu'il y a une immédiateté, donc c'est une soirée presque comme un polaroïd, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment, il y a le Covid, il y a tout ça, comment on fait pour résister, pour qu'il se passe des choses, Brisa Rocher a répondu à l'appel de manière ultra fraîche et spontanée. Moi je suis un grand fan de son travail, donc je suis très heureux tout simplement à titre de spectateur d'aller m'asseoir avec vous et de l'écouter, et je pense que c'est quand même le moment de lui faire une ovation, comme si vraiment on jouait devant le Stade de France complet, maintenant, là, tout de suite. Jamais encore joué ces morceaux en vrai. Donc là, c'est avec vous et pour vous.
Paroles, il y a des lits, il y a des plumes dans les duvets sur les lits, il y a des plumes qui montent quand on saute dans le lit et des plumes qui redescendent, peut-être dans le duvet, peut-être autour du lit si le duvet s'est éclaté, mais c'est pas vraiment ça l'histoire. Just let you stay.
Dit d'utiliser cet instrument, mais pas ce soir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Thank you.
Je vais vous dire exactement ce que je vais vous dire. Hello.
d'amande, laitue, feutre, feutre, caseau. C'est vraiment spécial parce qu'on a, bon, on ne joue pas avec des vrais gens, des vrais cœurs, du son dans les veines qui passent devant nous très souvent en ce moment. D'ailleurs, moi, je n'ai pas joué devant des gens depuis avant toute cette procédure. Et donc, en plus, on n'a jamais, on va sortir cet album qui concerne la plupart de ces morceaux au début de l'année. Et donc,
est un projet délicieux et qui, tout à qui, fait. Qui est tout un monde en soi. Elle est aussi ma préférée copine et j'ai jamais osé lui demander de jouer avec moi. Et cette fois-ci, j'ai osé. Du coup, on peut chanter ensemble, ce qui est un grand plaisir pour moi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, je dis ça parce que. Des gens ici, ici et maintenant. I woke up after a night of drinking with my neighbors and friends. I remember what I said to them. I said I'd tell all the boys and men, no, no, no. Good.
dernière, pas cet été-là, mais l'été avant, j'étais chez mes parents et du coup, ce morceau raconte ça. Il y avait une arrivée de corbeaux. D'habitude, il n'y a pas des corbeaux chez mes parents. Et là, il n'y avait pas un corbeau. Il y avait... je dormais dehors et le matin, j'entendais des corbeaux qui se parlaient avec des voix presque humaines. C'était très bizarre. Des corbeaux qui parlaient. Pas jusqu'à... Mais non, des trucs très compliqués. En tout cas, je dis tout ça pour dire que l'année prochaine, après ça, qui était cet été qu'on vient de passer, un corbeau est resté et ma mère a pu le dompter. Il s'appelle Carl et je ne l'ai pas encore rencontré, mais je pense qu'il était dans les corbeaux qui sont dans le morceau que je vais maintenant vous chanter. Strong enough to stand and sing this song.
grenouille dans la gorge. Je pense que c'était plutôt un chat, en fait. Ça a dû être un animal français, là. Babe, I think you love me, but when I am loved, I am not free. Take your arms and give them away. Babe, I think you love me, but when I am loved, I am not free. Take your kiss and give it away. Thank you.
Alors, on est presque à la fin, mais pas tout à fait, parce qu'il y a ce morceau qui reste. Et je veux remercier tous les gens. On a eu beaucoup de techniciens et de gens qui nous ont accueillis ici d'une façon très complète et chaleureuse. Donc, merci de l'accueil, merci pour l'invitation. Merci de l'organisation. Oui. Je veux remercier les gens qui sont là ce soir, qui ont joué avec nous, on a monté ça juste pour vous ce soir. Donc, je ne sais pas si c'est éphémère ou pas, mais en tout cas, j'en suis ravie. Merci à vous. Et il y a aussi une petite surprise, je ne vais pas dire ce que c'est maintenant, mais si vous tenez encore un petit peu, il y a une surprise avec ce qui se passe là dans le coin, mais je ne vais pas le dire maintenant. Et je vais surtout vous remercier, vous, d'être résistants et courageux et aimants et présents avec vos cœurs et vos sangs dans les veines et vos fesses sur les sièges écartés des uns des autres et vos yeux dans mes yeux et... On fait ça, on vient parce qu'on est plein d'amour pour vous. Et donc, quand vous venez, on arrive à vous le donner et c'est ça qui est la meilleure chose. Donc, merci d'être là, merci de venir. Monsieur Dame Brisa Rocher, s'il vous plaît. I
C'est surtout, la plupart sont un projet qu'on a coécrit avec Fred et ce dont on est très fiers, et ça va être sur un album qui va sortir au début de l'année, et donc il y a plein d'autres morceaux sur l'album que vous allez découvrir avec des arrangements différents, pas vrais, pas moins vrais, pas plus vrais, mais différents de ce soir. Donc c'est un peu notre bébé, la petite présentation de notre bébé ce soir, donc je suis ravie qu'on l'a partagé ensemble et on vous dit à très bientôt et merci. Pour faire deux choses, pour vous raconter ce que c'est ce truc. Donc, en fait, pendant le concert, ils ont gravé les vinyles en temps réel. Oh, quoi? Ils ont gravé, oui, c'est vrai. Non. Ils ont, oui, je sais, c'est dur à imaginer, mais oui, si. Ils ont. Hein? Plexi. Oui, les plexis, pardon, c'est pas mieux que les MP3. Mais ouais. Et du coup, à la fin de la rappel, là, on va tirer les. On fait maintenant, oui, ok, maintenant, tout de suite, oui, on le fait tout de suite. Attention. Après, on replonge dans un moment du mystère après ça. D'abord, un truc un peu ludique et après, mystère, comme ça, vous êtes prêts pour les rêves à la toute fin. Heureusement qu'on est revenu, tu vois. Oui, sinon j'aurais fait le mystère et après il aurait fallu relever le mystère pour. Ouais, ça a été. Oh wow! Ok. Qu'est-ce que c'est? Okay. Wow! C'est beau! Donc.
on ne sait pas quel morceau est sur quel disque. C'est ça, c'est au hasard. Donc il y a un morceau par disque. Alors le numéro 32, s'il vous plaît. Non. Félicitations. 27. Le numéro 27, s'il vous plaît. Numéro 18, s'il vous plaît. Ouais non ouais. C'est Alban Legault. C'est parfait. J'ai fait exprès. C'est truqué. Numéro 2. Non. Et t'inquiète, j'en ai gardé un ou deux pour certaines personnes qui le méritent particulièrement fort. Là, 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 là. Ok. Qu'est-ce bon. Qu'on... Quoi ? Alors, on va faire deux choses. D'abord, il faut qu'on redescende. Est-ce que vous pouvez baisser la lumière, s'il vous plaît ? Parce qu'on n'est pas là pour rigoler, hein, quand même. Non, c'est dur. Potentiellement, c'est dur. Mais genre, vraiment baisser parce que je vais chanter un morceau a cappella et je veux avoir de l'ambiance et me détendre. Et là, avec cette lumière dans mes yeux, je ne peux pas complètement. Encore. Ah, ouf. Yes. Je voulais faire juste un petit standard un peu blues sur l'amour, parce que je sais que vous n'avez jamais expérimenté cette sensation, mais c'est pour ça que j'avais vous en parlé, pour que ce ne soit pas trop intimidant quand ça vous arrive. Love, oh love, oh care. Love, you fly right to my head like wine. You've wrecked the lives of many, 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 many a poor, poor girl, and you very nearly wrecked this life of mine. Love, oh love, oh love, oh love. Careless love in your clay.
desire. You've made me break many a true, true vow. Then you set my soul on fire. Now if I were a little tiny bird, I'd fly from tree to tree to tree to tree. I'd build my nest away up in the air, where the bad boys couldn't bother me. Love, oh love, oh careless love, you fly right to my head like a crazy clavier sound. You've made me break, oh, many, 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 many a true, 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 true vow. And you set my soul on fire. Alors, je vais refaire l'oiseau parce que c'est mon préféré. If I were a little bird, what would I do? I'd fly from tree to tree to tree to tree to tree. I'd build my nest away up in the air, where the bad boys couldn't bother me. Parce que vous filmez, hein, j'ai compris, pardon. Du coup, vous allez voir, c'est partouche. Avec la lumière, plus que ça.
de merchandising, il y a plein de petites choses à regarder, donc à tout de suite.